La parole est à Madame Nicole Hamelin. Merci, Monsieur le Président. Ma question, Monsieur le Président, s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Je voudrais simplement rappeler que la question des retraites agricoles, chacun le mesure ici, met l'accent sur la précarité tout à fait persistante et injuste du revenu agricole. Premier ministre, le terrorisme reste une menace persistante pour le monde. Avec la perte de leur territoire de guerre en Syrie et en Irak, de nombreux combattants djihadistes tentent d'accélérer leur retour sur notre propre sol et dans les pays voisins. Il faut rassurer les Français. Il faut rassurer nos élus locaux face au risque de diffusion de la radicalisation aux fichiers S qui résident sur notre territoire, mais il faut aussi apporter des réponses plus globales. Si je soutiens Nicole Hamelin, c'est parce que je la connais depuis plusieurs années. J'ai eu l'occasion de la voir travailler et j'ai eu l'occasion de travailler avec elle sur plusieurs dossiers. C'est une femme qui a beaucoup de qualités, mais trois principalement. Fidélité. Fidélité de ses origines, du territoire, de ses électeurs, des citoyens de sa circonscription et de ses amis. L'humilité. Elle ne considérera jamais qu'elle connaît un dossier avant d'avoir travaillé avec les gens concernés sur le terrain, en faisant éventuellement des visites sur le terrain, en rencontrant les gens concernés. Elle a eu de nombreuses responsabilités au niveau local, départemental, régional, national et international. Elle n'a jamais changé dans son comportement. Elle est toujours restée accessible. On a toujours pu travailler avec elle sur les dossiers. Elle a toujours répondu présente. Dernière qualité, le respect. Le respect de la parole donnée est trop rare en politique. Quand Nicole vous dit qu'elle va s'occuper d'un dossier, elle le suivra jusqu'à la fin, jusqu'à l'aboutissement de ce dossier. C'est des qualités qu'on retrouve également chez Sophie Gauguin, sa suppléante, que je connais aussi depuis longtemps. Nous avons réussi à travailler sur beaucoup de dossiers, notamment le dossier santé. La permanence de soins pour les médecins généralistes a pu être améliorée grâce à ces deux femmes qui ont su prendre le dossier à bras-le-corps contre certains avis administratifs et d'autres dossiers au niveau santé et au niveau éducation nationale aussi. C'est pour cela que je les soutiens et je sais que la circonscription a besoin d'elles et de leurs compétences. Je voudrais tout simplement souligner l'aide et le soutien constant qu'apporte Nicole Hamelin à la cause de l'emploi des femmes par l'innovation et la formation. Elle démontre sa proximité avec les problèmes de terrain, sa profonde volonté de combattre les handicaps liés aux mutations industrielles de notre tissu régional. Par ce travail, elle nous aide à faire face aux problèmes des femmes qui, individuellement, sans le soutien permanent, seraient en grande difficulté, voire en risque d'exclusion. Dans le contexte de notre territoire, Nicole Hamelin s'est impliquée, entre autres, dans le plan d'égalité chez PSA, dans le reclassement des femmes chez Moulinex, la préparation des femmes au métier de la logistique, leur ouvrant ainsi de nouvelles perspectives d'insertion professionnelle. Et enfin, avec Digitel, c'est l'accès des femmes aux nouveaux emplois grâce au numérique qui s'ouvre enfin aux femmes. Aujourd'hui, la Coding School, c'est un centre de formation qui a 3 ans, qui évolue jusqu'au monde professionnel. Ce n'est pas une licorne qui, justement, est une, je dirais, pépite innovante qui a su lever des millions d'euros pour apporter de nouvelles solutions sur le terrain normand, mais plutôt une jeune entreprise de progrès qui permet d'aller chercher les technologies les plus avancées et les rendre accessibles à tous en s'amusant de façon plutôt limpide et pas simplement aux jeunes ingénieurs développeurs. Par rapport à ce projet, on tenait moi-même et toute l'équipe de la Coding School vous remercier, Nicole Hamelin, pour votre soutien, pour le travail d'action et de terrain que vous avez su mener avec nous. Les licornes, nous, on continue à les cultiver et on vous souhaite de travailler encore chaleureusement avec toutes les équipes de la Coding School sur de nouveaux projets. Merci Nicole et puis à très bientôt.